Mardi 26 mars 2024, Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Actualité au concernant pays d'Haïti, nous préalons le niveau conseil présidentiel là, côté élection qui était prévue pour être faite hier lundi 25 mars 2024 là, pas arrivé faite à cause quorum qui pas de gagner divers partis t'es décidé bouder invite conseil la tête fin fait pour être capable de choisir un président dans tête conseil ici là, alors que dans un premier temps c'est après trois mouns qui te fait qu'on est un candidat pour yon, eh bien briguer poste président conseil ici là à la dernière minute. Smith Augustin qui se représentant parti aidé red à compromis historique en dans conseil là t'après le porter et candidature dans niveau conseil ça pour être capable président conseil là ça qui t'après vraiment mettre protagoniste dans une situation qui était très compliquée pendant gagner nan yo même qui était décidé bouder rencontre si là le te connaît yo t'après gagner pour yo chita pour voter yo moun nan tête conseil présidentiel là. Et bien gagner Leslie Voltaire gagner tout monsieur René et Jean Jumeau qui t'après bouder conseil là même Jean avec Laurence ainsi qui c'est représentant secteur privé au niveau conseil et présidentiel si là qui t'apprend à le briller par abstention. Eh bien ça qui t'apprend la cause mesdames et messieurs conseil la pas arriver organiser élection pour être capable mettre yon moun nan tête conseil présidentiel ça ça qui bay gros kè kase pendant divers partis continuer à demander report et président en fait élection yo nan tête conseil là qui ont été voyé pour jodi mardi 26 mars là à partir des 3h nan moment n'a pas lié à conseil là jusqu'à moment n'a pas lié à la même yo poko gagnien et quorum pour toute partie yo ta présent. Et maintenant même sans ça gagnien monsieur René Jean et Jumeau qui d'après décider craser yon quitter ça pendant gagnien quantité révélation qui t'a fait sous dol côté gagnien là et ULCC qui t'a fait qu'on est monsieur ça t'a gagné l'argent qui t'est passé dans main li pou kobay explication sous yo même temps gien moun ki fait quoi c'est parce que citoyen ça t'es opté pour te bal droit de vote dans niveau conseil là et ben t'a pral décider pour l'écrasion qui t'est ça parce que ça t'a demandé yo li pat jam ka jwenn yo et bien jusqu'à moment n'a parlé à dans niveau conseil là gien yon moun ki manquait parce que c'était doué 9 membres jusqu'à moment c'est 8 membres côté vraiment rien poko gien yon l'autre moun qui pour représenter au niveau conseil présidentiel si là gros inquiétude là c'est qu'on est qui le qui Jean et bien conseil ça pral installer pendant hier il était arrivé rédiger un document pour être capable dire comment conseil là pral gagner pour le fonctionner qui Jean yo pral agir entre eux-mêmes. Mais ça a toujours été mesdames et messieurs gros interrogation est-ce que y a arrivé je nous entente pour choisir un président qui le yo pral choisir premier ministre c'est gros interrogation en pile monde a essayer et comprendre qui ça bagaille là yé. Mais entre-temps temps a passé ti monsieur Arméo continue à faire parler de Fosio dans centre-ville pays d'Haïti côté plusieurs l'école ak et bien business privé boulé en bas et bien mais bandi vraiment ti monsieur vivant ensemble qui décidé bouler divers espaces qui t'est trouvé dans centre-ville là parmi yo pharmacie avec l'école. Information ça yo nous pral joindre développement yo dans VOA Creole pendant que dans pays blanc américain gagne un gros dégât là côté gagne pont Baltimore qui tombé ça qui la cause gros qu'est cassé dans pays blanc américain. Nous pral suivre un dossier spécial sous information ça. Unis état d'urgence dans Baltimore après effondrement pont Francis Scott Key qui la cause suspension transport maritime dans zone pendant secourisseurs à chercher survivant. Haïti impasse pour conseil présidentiel transition avec mésentente interne semblier retrait ou démission quelques membres dernier c'est René Jean Jumeau. Haïti toujours bandi armé continue à semer l'intérêt côté y a pillé et boulé bâtiments institutions publiques et privées.
Et oui, c'est pour ça yo avec l'autre accord nous pas le développer pour dans un petit moment. Mais ici aux États-Unis, gros nouvelle là, c'est bateau ça qui la cause effondrement un gros pont dans Baltimore dans état Maryland, ça qui la cause que transport et maritime dans zone nan campé. Gagne gentil Augustin Junior qui suivre pour nous de très près dossier ça. Yon bateau kap pote conteneur frappé pont principal Baltimore. Anvan li te fait clair jodi mardi 26 mars 2024 la. Sa ki la cause, pont an tombé et pou pipiti 7 machines ak moun plongé nan fond rivière Patapsco d'après autorité yo. Mwen gen intention pou gouvernement fédéral la payer toutes dépenses pour reconstruire pont sa. Et mwen espéré que Congrès a appuyé effort mwen yo. Président Joe Biden te parlé ak pep américain yan après drame Baltimore et te voyé sympathie pour victime yo, fami victime yo ak tout travailleur qui toujours utilisé pont ça pour aller chercher la vie et te mandé équipe liyan pour déplacer ciel la ak terre pour relouvrir port et puis reconstruire pont an aussitôt que ça possible. Bien bonne nan matin, après collision bateau ak pont Baltimore, gouverneur Baltimore te parlé ak population. This morning, matin yon, état nou an sous choc. Et mwen vle prendre moment ça pour me parler directement ak moun nan état nou an. Mwen vle di premier secouriste nou yo ke mwen impressionné pour courage yo. Mwen impressionné pour force yo, mwen impressionné pour tout ça yo fait pour nous chaque. Yo te wè yon crise et puis yo te di, ki sa nou ka fè pour aider? Et puis équipe réponse nou yo a fait tout ça yo capable pour joindre et sauver victime yo. Gouverneur Maryland nan Westmore pendant le t'a parlé Baltimore après pont principal ville la tombé mardi 26 mars là te dit pas gain aucun preuve qui montre terroriste te joué un rôle dans effondrement. Autorité Baltimore yo te dit au moins 7 machines ak plusieurs moun te plongé dans rivière Patapsco et secouriste yo te déjà retiré au moins 2 civils. Des agents di madia ta ka pi mauvais effondrement yon pont américain depuis l'année 2007. David Knight, conseiller et spécialiste dans une institution génie civil déclaré. Période de reconstruction pral probablement alentour 18 mois ou bien de l'année. Gouverneur Maryland nan Westmore te déclaré yon état d'urgence pour déployer bien vite ressources fédérales pour faire face à l'urgence là. Gatcote États-Unis te rapporté effondrement zone INE 27 nan matin. Après bateau qui pote conteneur qui te gen drapeau Singapour te frappé pont métallique Baltimore. Pont principal Baltimore, c'est yon estricti 4 lignes qui chita sous 56 mètres en haut rivière. Li te louvri nan l'année 1977 et li traversé la rivière Patapsco. Pont sa pote nom auteur hymne national américain Francis Scott Key. D'après autorité transport Maryland, chaque année 11.3 millions machines traversent pont ça sous I-69/5 qui entoure Baltimore, qui aurait le tout Baltimore Beltway. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Donc c'est pratiquement un accident, un événement qui a un pile impact sur les États-Unis parce que pont ça permet qu'il y ait plusieurs côtés aux États-Unis, ils permettent tout en pile commerce fait. Donc, c'est en pile causé avec effondrement. Ça veut dire que, gouverneur et Maryland, en parlant de Westmore, il parlait avec vice-président américain Kamala Harris et avec président Joe Biden. Donc, il y a l'autre développement encore qu'a fait sous événement ça. Eh ben, n'a pas qu'un béo, yoko. L'autre point dans l'actualité internationale, là, c'est Sénégal qui pral gagner un nouveau président en attendant que yo proclamé résultat officiel yo en la loi sa vie près. Pays Sénégal a paré pour commencer une expérience politique tout neuf avec élection Bassirou Diomaye Faye qui promet un gouvernement vivre ensemble. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Monsieur Faye, qui gagne 44 ans, qui fait que sorti en prison soit environ 10 jours, tout n'est plus jeune président dans toute histoire Sénégal qui gagne 18 millions d'habitants.
nouveau élu a voué une garantie à la communauté internationale. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Amadou Ba, qui s'est candidat à pouvoir, lui-même, lui félicite le déroulement élection et le salue victoire adversaire. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Élection s'est déroulée après 3 années d'agitation sans incident. Nouveau élu a que vous présenté comme un politicien anti-système, recevoir compliment plusieurs pays parmi eux, les États-Unis n'envoie porte-parole département d'État Matthew Miller. Nous pas qu'attendre pour nous féliciter nouveau président Sénégal là, les résultats yo va officiel. Population sénégalaise là exprimé en pile contentement et yo bat bravo pour victoire électorale ça qui pour yo c'est un coupé fâché avec ancien pratique. Bon, au niveau de la justice, de l'éducation, de la santé, et tout ça, c'est un changement que nous voulons. Bon, on a beau souffert 12 ans de souffrance, vraiment ça se fait. Vraiment, on veut un changement radical. Les 12 ans de Macky Sall, on a vécu l'enfer, en fait, si c'est pas trop dire. Bassirou Diomaye Faye, notre actuel président, notre président à partir d'aujourd'hui, il a du chemin à faire. Nous lui souhaitons bon vent. Nouveau président élu à Bassirou Diomaye Faye, qui obtient un résultat officiel, a bien pour remplacer président Macky Sall, qui souhaite faire 2 mandats dans la tête Sénégal. Et donc, y a une situation que n'a pas supposé parce que y a gain pour y bail résultat élection d'ici fin semaine. N'a pas tourné dans l'actualité ici aux États-Unis. Cour suprême n'a attendé y a un procès sur y a un médicament pour faire dilatation jeudi. Sandra Lemaire dit nous, décision juge là, t'as capable gain impact sur fi tout partout aux États-Unis. Sandra Lemaire. Cour suprême États-Unis a considéré un nouveau procès qui gagne pour ouais avec dilatation qui affectait filles tout partout aux États-Unis. Opposant doit mesdames yo gagner pour jeter petite, voulait pour Cour suprême ratifier décision en cours d'appel fédéral conservateur te prend qui t'a limité accès à qu'aux médicaments qui relaient mifepristone que yo t'ai servi dans 2/3 cas dilatation année passée à. Procès a déroulé 2 ans après Cour suprême non t'ai renversé décision Roe versus Wade là qui t'ai permet plusieurs États républicains à diriger imposer restrictions sévères sous droit figuien pour jeter petite. Manifestants pro-acanti dilatation t'est rassemblé devant Cour suprême non pour exprimer opinion yo. Bethany Van Campen Saravia v'lé dit Cour suprême non médicament mifepristone non su. We're here to boldly defend and tell the court that this medication is safe, that abortion is harmful. L'édicat ça, c'est bon Jean Bloff. Médicament su et mon a utilisé depuis des dizaines d'années. Implication pour ça, pas ta capable pi extrême et pi rivé pi loin. Quel que soit ça, juge yo dit, quel que soit ça, tribunal yo dit, moun pral toujours jouen moyen acheter médicaments pour jeter pitié. Moun capable faire dilatation en dehors système soins santé officiel là, ou façon qui sûre. Fi qui gérer dilatation pour compte yo capable faire en sécurité. Dilatation avec pilule sûre. Moun ka recevoir soins à dignité, quel que soit ça, tribunal là. Savannah DeReich lui-même, c'est membre groupe étudiant pour Action La Vie. Li kwè mifepristone causé dommage pour santé femme ak ti moun. I'm here today because we need to put an end to the no testing online distribution of chemical abortion drugs. Li di mwen la jodi a parce que faut que nous suspendons vendre médicaments pour faire dilatation en ligne qui a blessé non seulement fille mais ti moun. Yo dommage de l'eau n'a boire, affecter environnement nous ak écosystème nous en général. Faut que nous remettions sauvegarde en place et puis gérer aux pratiques qui non seulement touillent femmes mais ti moun nous tout. Cour suprême n'a gagné pour prononcer décision en fin mois de juin. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
question avortement ou bien dilatation et bien très présent dans politique là aux États-Unis et même dans élection qui pourrait dérouler là qu'on est 2024 là sont élections ici aux États-Unis donc question avortement dilatation pral dans centre débat ou souvé ou à créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer aux actualités dans le pays d'Haïti. Impasse pour conseil présidentiel transition avec mésentente interne et puis semblier démission, bien retrait quelques membres. Et dernière, c'est René Jean Jumeau. Yves Manuel, c'est correspondant dans Port-au-Prince. Désaccord entre membres conseil présidentiel yo entravé transition politique là dans le pays d'Haïti. Gen plus passé deux semaines depuis Dr. Ariel Henry accepté céder pouvoir à un conseil présidentiel transition. Cependant, conseil ça qui est composé de sept membres qui sorti dans principale force politique en dans pays hein, secteur privé avec deux observateurs pour arriver en temps yo sous marche à suivre là. Après plusieurs jours de négociations, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc ou Louis Gérald Gilles déclaré yo candidat mais élection pour élu président conseil n'a pas arrivé faite Jean Saté prévoit dans soirée lundi an. Neuf membres pas réunis non plus à représentant CAICOM yo organisation régionale qui chargée pour superviser négociation yo contre toute attente bureau suivi à Comontana mandé dans une correspondance à conseil présidentiel là pour reporter élection yo côté l'évoquer abstention accord politique clair sous transition. Parallèlement, René Jean Jumeau, rent et désigné dans conseil là, démissionné à cause selon Saldil pas gain droit de vote. Ce deuxième désistement en 24 heures après remplacement Dominique Dupuis par Smith Augustin. Montana m'a dit 72 heures pour définir un accord politique avec modalité fonctionnement conseil là. Toutefois, pour le moment, pas gain aucune rencontre qui fixée entre conseiller présidentiel yo à CARICOM en raison de désaccords qui persistaient sur droit de vote dans conseil là. Pendant que dirigeant yo a tenté fait temps passer, situation paysan pas suspend détérioré côté divers pays tant que Canada, la France, la Chine, l'Union européenne, États-Unis et République dominicaine continue à évacuer personnel diplomatique yo sans compter citoyens yo gagné dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis pendant ce temps et nèg amé même yo pas chômé et c'est comme ça hier lundi a bandi saccagé en pile business qui nan rue Monseigneur Guillou nan Port-au-Prince Massadoville mété fond viron. Bandi qui fait partie vivre ensemble yo yon estrikti qui réunit tout groupe civil amé yo pillé et puis mété difé nan pifo clinique pharmacie ak kek kay ki nan rue Monseigneur Guillou tout près l'hôpital Université l'État haïtien, yore le tout l'hôpital général. Policar Jean-Yves qui gagne 37 l'année depuis l'a évolué dans rue Monseigneur Guillou, c'est un nan moun qui sorti victime dans zak brigandaï, monsieur vivant sans yo. Car il a te gagne business là-dedans toute bagarre, c'est l'a embrassé depuis en 87. Je dis à un seul jour perdit toute bagarre. Comprendre? Pas me le dire. Égal moi même pour compte quoi pas m'pas ça m'perdit m'pas combien m'perdit m'pas penser peut-être bon l'hôpital général nan bouche pas le national si m'tap nan état ça c'est une nan baie qui était bon moi assurance m'pas jamais penser parce que m'était tout monde t'a pour m'te dit bon m'fait tête moins frette parce que m'pensais m'était bon l'hôpital m'pensais t'es gon sécurité si m'là mais parler m'pensais t'a gon au moins on 20% en sécurité à la fond zéro. N'a rappelé c'est depuis 29 février passé à gang assiégé capitale là côté bureau administratif l'hôpital banque commercial l'école commissariat pour citer ça ou seulement cibi attaque groupe civil améo depuis Port-au-Prince moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Nous retournons dans le dossier politique là, yon leader politique critiqué communauté internationale là, à groupe acteurs qui voulait coûte que coûte installer yon conseil présidentiel de transition dans tête pays. Détail avec Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Gouvernement collégial yo dans l'histoire de notre pays, yon pas jamais réussi de 1956 à 86. Gouvernement collégial yon pas jamais réussi. C'est l'échec en échec. Ancien député Serge Jean-Louis qui dit que gouvernement collégial n'a pas jamais réussi, lui préciser que pas gain aucune possibilité pour conseil présidentiel transition réussir tout. Lui encourager acteurs yo prend route cour cassation.
Ça a empêché dans la Cour de cassation. Nous pour juge qui régulièrement nommé. Nous mettons président Haïti go culture présidentialiste son monde qui n'a pas l'air. Chaque fois que le collège présidentiel, je ne sais pas, moi, je ne vais pas inventer l'histoire, il n'y a pas jamais marché. Après 3 mois, le crasé. Et je me dis, monsieur, ça l'autre jour, on n'a pas besoin d'un politologue avancé, on est qui doctorat en sciences politiques, pour comprendre ce que ça m'a dit. Pour quand elle maïsra, pour elle. Quand elle maïsra, oui, pour elle, elle m'a dit. Ils sont dans le même parti. Ils ont fait campagne électorale ensemble. Ils ont même idéologie. Après 3 mois, quand elle l'a éclaté. Ou quand elle m'a dit, oui, un jeu ou pas de détail. Mes amis, voir cet président. En plus de ça, ancien député Serge Jean-Louis, qui est leader coalition politique Force nationale pour démocratie, FND, avec même congrès Wanamet pour une nouvelle Haïti, exprimé des accords avec des marches CARICOM. Non, parce que. Donc, on peut reculer ça. Il a fait élection pour Mathilde. Donc, il va faire élection contre moi. Comme compétiteur, alors que là on a une démarche démocratique, on a une compétition, on a une démarche concurrentielle. Et la concurrence doit être loyale. Mais là, on met un monde qui est chef de parti président, on a une concurrence déloyale. Et m'a tout dit international là ça. Dès qu'on entre dans une démarche, ça, on va entrer dans une démarche pour un processus qui a contesté à la base. Parce que pièce dirigeant politique qui a accepté ou chef de parti vient président. Si chef de parti a besoin de président, c'est pour là, le candidat. Pour la candidat pour la faire campagne. Dans sept présidents, sous une folie pour venir président, elle fait campagne électorale. Elle déclare non parti politique ou elle candidat. Le candidat va faire campagne ou elle vient président de la République, laisse ça, ou un mandat 5 ans. Mais ce n'est pas où libre pour apprendre ou venir président dans le collège présidentiel, 7 têtes. Et vous dites 7, nous n'y pas 7 présidents. Si vous ne voulez pas me dire ça, ou à changer l'adjectif qualificatif là, ou à mettre l'autre qualificatif. Les pas 17 présidents. Pendant ce temps, la communauté internationale, via CARICOM, a travaillé avec acteurs politiques haïtiens. Ils pourraient, dans quelle mesure, incessamment, ils étaient capables d'installer le Conseil présidentiel transition. Ils ont dossier à suivre. Où est-ce que vous pouvez ou à Creole? Port-au-Prince. Et puis pendant la situation dramatique ça a déroulé dans le pays d'Haïti, la République dominicaine n'est même pas campée sous déportation haïtienne qui a vu sans papier sous territoire dominicain, bien merci. Que eh bien, et gagnant monde qui a défendu droit monde et militant droit monde yo même Jean-Robert il a fait pression pour et autorité dominicaine yo t'a yo même campé sous des massas et Jean-Robert Philippe c'était envoyé spécial en République dominicaine. Jean-Robert, qui Jean ça? Effectivement, Jacqueline, d'après même déclaration que l'autorité dominicaine a fait, en particulier le président Balaguer, il dit que la pression a sorti de tous côtés. Ce n'est pas seulement dans les Nations Unies, mais dans l'autre pays tout, qui a mis la pression sur lui tout pour l'ouvrir. Frontières pour ta construire ça les camps réfugiés pour accueillir haïtiens. Alors son bagage qui pas fait l'unanimité en République dominicaine, même là que nos périodes électorales, mais que toute partie qui concerne eux et population mais groupe pression eux, mais même toujours pas d'accord avec l'idée pour ta gagner pour République dominicaine ta qui réfugiés haïtiens. Mais en tout temps ça pas empêché que déportation continue côté et en même temps tout. En même temps, toute évacuation a sorti dans le pays d'Haïti pour aller en Dominicaine pour que les gens qui sont bloqués pour qu'ils puissent aller dans la destination finale. La relation entre la République dominicaine avec Haïti n'a pas semblé améliorer à cause de la crise du pays d'Haïti a traversé depuis plusieurs années. C'est comme ça que l'autorité dominicaine continue à déporter les Haïtiens qui vivent dans le pays sans document légal. Malgré la demande, il y a des Nations Unies faites pour les pays dans la région campés sur la déportation. Ancien ministre haïtien qui vit dans la diaspora et d'une paraison quoi États-Unis, Bahamas, à l'autre pays dans la région, tant qu'au République dominicaine, doit tendre appel qui lancé pour camper sous déportation haïtien, soit cap vivre ou bien cap chercher rentrer dans la caillou sans document légal. Et non seulement c'est nous autres de la Fondation, sinon des organismes internationaux, et concours le ACR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et tant que Commission des droits de l'homme de l'ONU, et des organismes, on t'a dit, qui gagnent beaucoup plus de poids que nous-mêmes, anti-organisation binationale, et qui attirent l'attention, et non seulement de la République dominicaine, sinon des différents pays qui, journée aujourd'hui à la, pour qu'on prenne en considération les recommandations de ces organismes internationaux pour camper rapatriement.
Parce que Lionel Charles, un membre de la société civile haïtienne en République dominicaine, parlait de nécessité pour l'autorité dominicaine de changer la façon de traiter les Haïtiens qui vivent la caillou. Chaque fois, les Nations Unies, chaque fois, l'OEA parlait pour demander pour camper la déportation dans le pays, ça, c'est chaque fois tout où ils ont intensifié avec les forces de déportation. Déportation, ils ont l'autre partie là-dedans. Ce n'est pas agent immigration qui a marché chercher nous. Mais c'est toute police militaire depuis qu'on joint les Haïtiens dans la rue ou arrêté. Mais il y a une question de l'argent là-dedans. Les gens ont fait l'argent, les gens ont ramassé les gens pour dépouiller chaque grand Haïtien qui a marché dans la rue. S'il n'y a pas 20 000 personnes en poche, il y a un problème. Un groupe dominicain manifesté contre demande pour Haïtiens de venir chercher refuge de la caillou. Ou le fait la CECA, directeur mouvement Nouveau Trinitario, dans tel mouvement qui a été demandé aux Nations Unies. La doña Oru a venu ici, dit qu'a pedido a nosotros que refugiemos con una ley de refugiados a los 12 millones de haitianos que se encuentran supuestamente en peligro en Haití. Pero usted se imagina, amigo mío, si a los 11 millones de haitianos le damos ley de refugiados que tengan derecho a venir para acá como refugiados, va a pasar 11 millones haitianos para la justicia, 11 millones dominicanos que déjà vivre dans le pays, et si eux-mêmes ont un droit à la Dominique, ont un droit politique, et bien Haïtien, ils ne peuvent pas gagner un droit politique là, et bien un jour, le chef président dominicain capable d'un Haïtien. Pour responsable là, la réponse c'est non et non. L'ONU a passé sous cadavre d'abord avant de réaliser le projet. Ça va bien longtemps, le président dominicain Luis Abinader déclaré par un journaliste que les papes construit aucun camp réfugié sur le territoire pour accueillir réfugiés haïtiens. Jean-Bel Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe et puis bon retour. Plusieurs citoyens haïtiens en état Georgie réagissent sous crise politique Haïtia. Yumi Janit gain détail. Création un conseil présidentiel, yon force multinationale qui pouvin mettre la paix, alliance Moïse Jean-Charles ak Guy Philippe qui finit en queue poisson, c'est sujet ça yo ka fait actualité dans communauté haïtienne là dans diaspora. Quelques citoyens VOA Creole t'ai rencontré, t'ai bay opinion yo sous situation pays a. C'est pas bon pour pays a, c'est pas bon pour nous. D'ailleurs, un conseil qui vient là qui dit que c'est pour nous d'accord pour blanc rentrer dans pays a. Moi même m'opposer à ça. M'opposer pour tout le monde qui dans international là qui sont forces militaires puis les pays papa de Saline. Parce que nous te goûmes pour nous mettre moun sa d'ailleurs nous même encore pas chercher une façon pour nous mener au tourner. Haïti gagne un seul problème et problème Haïti c'est haïtien. Donc tout autant que haïtien pas ka chita ak haïtien pour dire on nous chercher et joindre une base minimale d'entente pas gagne aucun moyen pour nous sortir dans ça nous rien et pas gagne moun k'ap sorti à l'étranger pour faire son nom. C'est nous qui pouvons faire. Et moi-même personnellement, je souhaite que les forces internationales qui rentrent sont forces qui sont là pour assister les Haïtiens, forces qui sont en Haïti, assister, aider et puis encadrer et l'autre génie plus de jour en jour pour permettre ça améliorer. Ça n'a pas gardé, ça n'a pas attendu. Des crises du pays d'Haïti, mon cher, c'était chargé. Bon, normalement, comme nous, il y a des dispositions qu'on prend et il y a des mouvements qu'on fait pour qu'on met en place qui fait pour le pays. J'espère que ça qu'on fait, il y aura mieux. Et puis, par ici, on connaît les têtes ensemble et puis on est capable de trouver une solution avec la crise qui a passé dans ce moment-là. Pour Pasteur Mackinson, dissolution alliance sénateur Moïse Jean-Charles et Guy Philippe montrer comment les Haïtiens n'ont pas qu'à entendre pour bien-être pays. Moïse Jean-Charles, nous commençons à être content de ce que tu as fait là, mais lorsque m'apprendre qu'on est ça, ça déchire quand même. Pour moi, vraiment, vrai, des Haïtiens pas qu'à mettre tête ensemble. Des Haïtiens pas qu'à aller aucun côté. Des Haïtiens pas qu'à dire n'a pas fond bagaille. Même si nous pas faire pour bien personnel, intérêt personnel, mais pour sauver Haïti, juste pour retirer Haïti dans sa liée. Yourmi Janit pour VOA Creole, Atlanta. Et puis ici aux États-Unis, agent spécialisé département sécurité intérieure aimait fouiller deux résidences et PDD et Rodriguez gain détail.
Agent département de sécurité intérieure États-Unis ouvre une enquête sur vedette hip-hop américain Sean Diddy Combs, côté fouillé résidence privée dans la ville Los Angeles et ville Miami Beach, d'après sa autorité au fait qu'on hier lundi. C'est branche New York, unité d'investigation département, qui a dirigé l'enquête si là, côté un ancien ménager à vedette, la télévision poursuite judiciaire contre lui pour trafic sexuel. Sous vos parlé, M. Combs, 54 ans, dit lui innocent et que l'accusateur lui, c'est le monde qui a cherché l'argent rapide. Avocat défense artiste là, Ben Braffman, qui basé dans New York, pour qu'on fait aucun commentaire sur question. Station de télévision locale dans la ville Los Angeles a utilisé vidéo enregistrée depuis en l'air, qui montrait agent unité enquête à policier pendant qu'il a fait descendre de lieu dans la région Holming Hills, un quartier l'élite dans Los Angeles. Station de télévision a rapporté que l'autorité fédérale a présenté un mandat de perquisition dans la résidence ligne dans Miami Beach. Monde kawé agent capote boîte chargée avec matériel dans local là. Personne pas connaît qui côté Sean Diddy Combs teye, nan moment descendre de lui à table déroulé la caille. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Rodriguez et puis jodi a c'est anniversaire Valerio Saint-Louis en pile champagne, en pile cola, en pile gâteau. Mais n'a pas tout profiter tout. Manger tom tom, Luxon Saint-Ville. Ils étaient habillés tout de blanc et ils étaient sortis tout côté Florida pour venir Pompano Beach pour participer à l'activité ça. Valer ou bien manger Tom Tom. Participants ont dit qu'ils étaient bien joué moment qui fait rappeler au Haïti. Vraiment vraiment apprécié. Pour qui ça? Surtout ça qui a passé dans le pays nous connais. Ou qui a dit que ça a une bonne sensation de la caille. Ou pas qu'à manger Tom Tom. Même je vais manger maïmoulin avec aranso. Même je vais manger une banane pouillac avec arancel fricassé. Ou pas qu'à pas songer à Haïti. Ça rappelle enfance, moi. L'homme saute l'école, m'a couru monter sous table pour moi. Est-ce que c'est Tom Tom maman me fait jeudi? Hein? Encore une fois, jeudi, hein, pendant que je mange là. Donc ça rappelle enfance, moi. Ça rappelle un paquet de bagailles. Tradition qui dans la famille, moi. Tradition qui dans le pays. Comme maître cérémonie, mais tout comme nec Jérémie natif natal, journaliste James Pierre dit nous, c'était un moment extraordinaire. Chaque bouchée Tom Tom que je prends, c'est à coup vraiment senti la caille, moi. Et ça montre que. Même là que nous pas Haïti, Haïti toujours été connecté en nous-mêmes, Haïti toujours en dedans. Activité ça a été déroulée en présence divers invités et spéciales tant que Yol de Rose, Annie Alert et comédienne Maya Ferry. Chanteuse Annie Alert qui n'était pas à Cli après événement, pas caché contentement, elle dit li attaché à tout ça qui a rapport à Haïti. Eh ben c'est haïtien mien de pousser haïtien manger ton ton manger l'âme avec kalalou gombo c'est pas une question de mon Jérémy là non de pousser mon Haïti ou c'est mon tout côté ou c'est mon okap ou c'est mon Jérémy ou c'est mon okay moi depuis bagay la gen rapport avec Haïti c'est moi hier papa pas ben connait côté me sorti pour qui ça yon activité pour mettre Tom Tom en valeur aux États-Unis. Darlene Delis mon Jérémy c'est organisatrice événement. Moi fait li parce que moi voulais plus moun connait de Tom Tom parce que man, non seulement Tom Tom sont manger local, c'est un manger nutritionnel et puis sont manger qui gagne un paquet histoire derrière. Parce que son belle initiative, là où même on décide venir avec un bagage, l'autre monde adapté li et que qu'on y en ca déplacer ou al faire li plusieurs côtés. Que li pas prêté là, son seul objectif lié Tom Tom international. Tom Tom Tekova yon activité k'ap gen pou fè tout dans Philadelphia, Chicago, à Indianapolis. Dada's Cuisine déjà joué une invitation pour porter Tom Tom dans le pays la France et dans le pays Canada. Depuis Pompano Beach, l'État Floride. Luxon Saint-Ville pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville et c'est là nous mettons fin dans le programme. Et puis joyeux anniversaire à collègues, nous, amis, nous, frères, nous, Valerio Saint-Louis qui a bien passé côté lié. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.